facture, ma carte de visite, il est indiqué opérateur de marché. Donc, opérateur de marché, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On m'a confié la gestion de portefeuille. Le premier portefeuille, c'est un portefeuille qui est plutôt marché, donc effectivement, où on va retrouver des actions, des obligations, de la gestion un petit peu alternative. Le deuxième portefeuille, c'est un portefeuille, on va dire, qui va être plus concret. C'est un portefeuille dont on va attendre une rémunération régulière, où on fait des investissements sur un temps un peu plus long. L'idée pour le Crédit Mutuel, oui, c'est d'avoir une réserve. On constitue en fait une réserve en capital pour les années compliquées. En tant que salarié, c'est quand même une responsabilité importante, mais bien sûr, on ne fait pas le travail tout seul. Nous avons des comités tous les mois qui nous permettent de bien surveiller ces portefeuilles, de les valoriser. Au quotidien, ce qui est très intéressant dans ce métier, c'est qu'effectivement, je travaille avec la comptabilité, je travaille bien évidemment avec le réglementaire, avec les personnes des risques aussi, qui sont là aussi pour voir un petit peu les limites que nous ne devons pas dépasser. C'est un boulot qui est vraiment enrichissant dans le sens où il est assez transverse. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est effectivement être à l'écoute de l'actualité, de l'économie, d'avoir ce travail de réflexion sur l'orientation des portefeuilles. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment stimulant, même si ça peut être quelquefois un petit peu stressant. C'est les échanges qu'on a aussi avec nos partenaires, avec les différentes sociétés de gestion. On apprend beaucoup de nos sociétés de gestion parce qu'effectivement, nous sommes que deux sur cette activité. Donc, on ne peut pas non plus tout savoir. Donc, on s'appuie sur ces sociétés pour avoir un certain nombre d'informations. L'orientation depuis quelques années de nos portefeuilles vers, on va dire, des actifs plus réels, je la trouve personnellement très, très intéressante, très enrichissante. Tout ce qui est effectivement investissement dans l'infrastructure, dans l'immobilier. On quitte un peu la sphère des marchés qui peut être une sphère volatile. Justement, notre but est de protéger le bilan de la banque tout en continuant à constituer ses réserves de capitaux. Ce qui caractérise le Crédit Mutuel MABN, c'est vraiment une banque mutualiste, une banque de proximité. Et je pense qu'on le retrouve dans son écosystème. Et aujourd'hui, on le retrouve aussi via les investissements et les décisions d'investissement qui sont faites à l'intérieur de nos portefeuilles.